Bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur John Sinclair qui vous retrouve donc avec plaisir pour cette toute nouvelle émission intitulée Chronique Urbaine. Alors pour ceux qui ne le savent pas, cette seconde émission sera purement historique, c'est-à-dire que je vais vous raconter l'histoire de lieux abandonnés où il n'y a pas forcément d'hantise reconnue. Et donc nous démarrons ce soir avec le premier épisode de Chronique Urbaine par le château de Miranda. Construit entre 1866 et 1907 et de style néo-gothique, il a servi de refuge aux aristocrates français, dont le comte de Liederkerke Beaufort, lors de la Révolution française de 1789. Les descendants du comte ont alors transformé à partir de 1866, et avec la participation de l'architecte paysagiste anglais Edward Milner, ce qui fut à l'origine une ferme avant d'être un magnifique château. Des travaux qui s'achèveront à partir de 1907, avec la construction d'une tour centrale 4 années plus tôt. Il est devenu la résidence d'été de la famille Liederkerke-Beaufort. Puis, lorsqu'arriva la Seconde Guerre mondiale, la forteresse fut brièvement occupée par l'armée allemande. À la fin des hostilités de cette guerre, le château Miranda fut reconverti en orphelinat à partir de 1950. Hélas, à la suite d'un incendie et à cause de la mérule, qui sera en fait un champignon des maisons, qui pourrisse le château, il fut abandonné à partir de 1991. Depuis, la dégradation du lieu ne cesse de progresser, avec l'effondrement des écuries et les quelques rares murs qui sont encore debout demeurent fragiles. Il est bien sûr la cible de nombreux enquêteurs du paranormal, ainsi que des urbexeurs, notamment grâce à son riche passé historique. Néanmoins, la visite de ce lieu est extrêmement dangereuse du fait de sa dégradation constante. Si bien que le gouvernement belge prit la décision de détruire ce château afin de le reconstruire et de lui redonner sa splendeur d'antan. Malgré le refus des propriétaires du château du permis de démolition, les autorités commencent néanmoins à le démonter à partir de fin octobre 2016. Plusieurs associations tentent alors de faire face au projet de démolition, considérant le château Miranda comme un monument historique. Malgré ses protestations, et la suspension temporaire de sa démolition, la destruction reprend à partir de mai 2017. Enfin, pour conclure ce premier épisode de Chronique Urbaine, et pour l'anecdote, le château de Miranda a servi de décor de prison lugubre pour le film de Patrick Ridremont, sorti en 2012, nommé Dead Man Talking. Je vous remercie d'avoir assisté à ce premier épisode de Chronique Urbaine, et je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. À très bientôt.